Bonsoir, l'actualité de retour sur Canal 3 Bénin. Nous sommes là pour faire le point donc de l'actualité du jour. Et dans les titres, à tournée de contact et de bilan avec les militants à la base du parti Force Corée pour un Bénin émergent dans la Donga. Une délégation du bureau exécutif national est allée faire le point des communales passées à Copargo. Nous vous en ferons le point dans ce rendez-vous d'information. Ouverture à grand propos d'un atelier de la Commission permanente de l'agriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Les scientifiques veulent à l'occasion réfléchir à la promotion de la filière apicole au Bénin. Geoffroy Messon nous fera le point du démarrage des travaux. Et puis ouverture d'un autre atelier ici à Cotonou cette fois-ci sur les valeurs du dialogue social. Sur 3 jours, les membres des commissions administratives paritaires devront échanger sur les moyens de privilégier le dialogue social et l'ériger en outil efficace de coopération entre partenaires sociaux. Le 19h30, vos rencontres de la première journée des échanges démarrent aujourd'hui. Bonsoir encore une fois, bienvenue aux nouvelles du soir. Les membres du parti Force Corée pour un Bénin émergent passent au compte leur participation aux communales dernières. Une délégation du bureau exécutif national du parti était samedi à Copargo pour échanger à ce propos avec les élus communaux des 4 départements de la Donga. Alassane Aruna pour le reportage. Alassane Soumanou Gimba et Teufil Yarou, tous deux membres du bureau exécutif national des Force Corée pour un Bénin émergent, face aux élus communaux FCBE des 4 communes de la Donga, mobilisés dans cette salle du centre de promotion sociale de Copargo. L'exercice consiste à faire le bilan des élections municipales et communales du 17 mai dernier. Un rendez-vous politique au thème duquel les Force Corée pour un Bénin émergent ont pu arracher 6 maires sur les 77. Malgré les difficultés enregistrées sur le terrain. Il faut reconnaître que les militantes et militants FCBE qui étaient avec nous, la plupart sont repartis de gré ou de force au niveau du BR, ce qui a fragilisé un peu notre parti. Il y a des localités auxquelles nous n'avons pas pu accéder lors des campagnes, tout simplement parce que, d'abord, la limite des moyens, des ressources que nous avons était une contrainte. Il y a aussi certaines menaces que nos amis d'en face ont brandies. Outre ces difficultés, le parti a été également affecté par des dissensions internes, tout ceci accentué par la démission du président d'honneur, Boni Yayi. C'est ici le lieu de regretter ce qui s'est passé. Mais ce regret ne nous empêche pas de continuer la lutte, parce que nous sommes des guerriers. Parce que nous sommes des politiciens, parce que nous sommes des hommes de terrain et parce que nous n'entendons pas céder la place à l'ennemi. Il est donc clair que les FCBE ne comptent pas baisser la garde. Et à travers cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale, ces leaders FCBE entendent mettre la troupe en ordre de bataille pour une alternance pacifique en 2021. Et pour y parvenir, ils se fient au peuple béninois. Nous avons foi au peuple béninois. Parce qu'on ne nomme pas un président du Bénin, on ne le désigne pas. Ce n'est pas le matériel ou bien l'argent qui est la condition sine qua non pour gagner une élection. Il y a aussi la détermination du peuple. Et il faut parler au peuple. Il faut être à l'écoute du peuple. Il faut valoriser la parole politique. Nous ne devons pas avoir peur. Nous irons à la table de choix. Le jour des élections, les électeurs rentreront dans la salle, ils verront FCBE et d'autres partis, mais nous serons là. Cette rencontre aura permis à ces leaders FCBE de toucher du doigt les réelles difficultés enregistrées sur le terrain lors des élections communales dernières. Et ensemble avec ces élus communaux, des approches de solutions ont été trouvées pour les surmonter. Plus que jamais engagés et déterminés, ces élus communaux se donnent pour mission de ratisser large et annoncer la bonne nouvelle à leurs militants à la base, celle de la participation des FCBE à l'élection présidentielle de 2021. Belle ambiance. Et puis à la fin justement des échanges entre donc les élus communaux FCBE de la Donga et les responsables communaux du parti, eh bien ils ont adressé un message au bureau exécutif national. Ils ont surtout salué l'option du bureau de participer à cette élection qui les a fait aujourd'hui élus
communaux de leurs localités respectives. Ils ont aussi recommandé au bureau de trouver les voies et moyens pour participer, comme d'ailleurs en mai dernier, à la présidentielle prochaine au Bénin. Nous allons suivre ici un extrait de leur déclaration. Nous, élus communaux FCBE de la Donga et responsables communaux du parti, réunis ce jour à Copargo, après analyse de la situation politique et des défis politiques à venir, avons décidé. 1. D'adresser nos sincères remerciements aux membres du Bureau exécutif national pour avoir permis d'exister politiquement, de siéger dans nos conseils communaux respectifs et enfin d'avoir permis au parti FCBE d'exister malgré toutes les tentatives de faire disparaître ce parti. 2. J'ai le Bureau exécutif national à continuer dans son élan de promouvoir le dialogue et la paix sur l'échiquier politique national. 3. De rassurer le Bureau exécutif national de notre soutien indéfectible et inconditionnel dans son élan de faire participer le parti aux élections présidentielles de 2021, de donner carte blanche au Bureau exécutif national de négocier le parrainage requis afin de prendre part aux élections de 2021. Nous recommandons, entre autres, au Bureau exécutif national de faciliter la réorganisation sans délai des structures de base du parti FCBE. Nous prions enfin aux membres du Bureau exécutif de faire fi des insultes, calomnies, intoxications dont ils sont victimes au quotidien. Nous repartons très engagés, mieux outillés pour le combat de 2021 qui ne va pas se passer sans les FCBE. Je vous remercie. Merci. Voilà donc pour la posture des élus communaux de la Donga qui se sont retrouvés samedi dernier à Copargo pour échanger autour donc la vision de leur parti. Ailleurs, on travaille à mieux faire découvrir le programme d'action du gouvernement vieux de 4 ans maintenant. C'est le réseau Perspective 2021 qui s'en donne la peine à travers une tournée de vulgarisation. Ses membres sont actuellement dans le Mono et le Koufo pour présenter les réalisations du président Talon depuis qu'il dirige le pays, le Bénin. Voici le reportage de Geoffroy Maison. Le bureau exécutif national du réseau Perspective 2021, avec son bâton de pèlerin, est ici à Zovin, face à ses ambassadeurs du département du Koufo. Conduit par son président, Constantin Adar, le bureau rencontre ici des jeunes leaders des 6 communes du Koufo qui sont membres du réseau. Il poursuit ainsi sa vulgarisation des acquis de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG, tant au plan national, international que local. Perspective 2021, avançons seulement. Perspective 2021, avançons seulement. Qu'est-ce que le PAG est en train de faire? Le PAG est en train de reprendre les bases du développement. Le PAG est en train de nous monter la voie parce qu'on a dit le Bénin révélé. Est-ce que quelqu'un a déjà réfléchi à ce que ça veut dire, Bénin révélé? Qu'est-ce que ça veut dire, révélé? Révélé, c'est sortir ce qui est dans l'ombre et de montrer les capacités de cette chose, de montrer les qualités de cette chose. C'est ça le président est en train de faire. C'est ça le PAG est en train de faire. Et aujourd'hui, le Bénin est en train d'être révélé au monde. Outre Azovin, Lokossa était également un point de ralliement ce samedi 12 septembre 2020. Dans la cité des Côtes-à-Fonds, le bureau est allé aussi à la rencontre des ambassadeurs du réseau des 6 communes du département du Mono. Comme à Azovin, le cœur de la rencontre à Lokossa a été une projection de documentaire qui fait un bilan des 4 années de gestion du président Patrice Talon. Nous devons nous approprier tout ça là. Nous devons pouvoir nous approprier tout ça là et savoir que le demain, c'est nous-mêmes. Et savoir que le futur, c'est nous-mêmes. Personne ne viendra faire notre bonheur. C'est à ça que nous sommes venus vous convaincre et vous dire ici d'aller vous envoyer comme des ambassadeurs pour vous approprier tout ce qui se fait et savoir qu'à partir d'aujourd'hui,
Le développement, c'est pour nous-mêmes. Le développement, c'est nous-mêmes. C'est notre comportement. On dit Agbono. Qu'est-ce que ça veut dire Agbono? C'est celui qui a la force. C'est celui qui a la force de résister à toute intempérie. Quand on l'a missionné, il a dit quoi? Il dit, laissez apprécier le résultat. Il a demandé 4 ans. 1, 2, 3, 4 ans. Et on verra s'il est un vrai Agbono. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le résultat? Le court-métrage présente secteur par secteur le visage actuel du Bénin, ainsi que l'évolution des différents chantiers lancés depuis 2016 par le gouvernement de la rupture et du nouveau départ. Une causerie débat a suivi cette projection à chaque étape. Il faut payer le prix fort pour que l'argent circule, et c'est ce qui se passe. Pour faire des omelettes, il faut casser les œufs ou bien les femmes. Pour préparer la pâte, il faut laisser l'eau bouillir. Bon, un enfant l'infiant, ouais. C'est ce qui se passe. C'est ce que le programme d'action gouvernementale est en train de faire. Et Talon a promis. Il a donné 4 ans pour qu'on voit le résultat. Et on a vu le résultat nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour faire de comparaison. Vous-même, vous pouvez juger. Ces jeunes de Perspective 2021 jouent ainsi leur rôle dans la vulgarisation des résultats issus de la mise en œuvre du PAG pour l'amorce effective du développement du Bénin. Les membres des coordinations départementales Koufo et Mono du réseau ont été officiellement installés durant cette tournée. Merci, 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 merci. Voilà pour le cours de vocabulaire. On va rester dans les parages. Pour parler de science, la commission permanente agriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin tient sa deuxième réunion de l'année. Pour l'occasion, ses membres veulent réfléchir aux voies et moyens pour une promotion de la filière apicole au Bénin. Ils y sont d'ailleurs depuis hier, notamment à Grand Popo. Et c'est pour cela que nous allons retrouver Geoffroy Messin et Florent Dehaut pour le point. Les membres de la commission agriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en Salbe, sont ici à Grand Popo pour mener des réflexions et faire des propositions. Pour une deuxième réunion de l'année, la thématique qui réunit ces chercheurs, têtes pensantes et autres acteurs du secteur dans cette cité balnéaire est la promotion de la filière apicole au Bénin. L'Ensalbe veut ainsi contribuer au développement de cette filière au Bénin. Notre premier atelier de cette année s'était penché sur les problèmes liés à l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur le secteur agricole. C'était un atelier virtuel qui a abouti à l'organisation d'un vendredi de l'Académie le 14 juillet 2020 et à la rédaction de deux documents importants, à savoir une lettre déclarative sur l'impact de la pandémie sur le secteur agricole adressée au bureau exécutif de l'Académie et des réflexions sur la pandémie et la sécurité alimentaire dans le cadre du groupe interacadémique pour le développement GIDE. L'apiculture est une branche de l'agriculture qui consiste en l'élevage d'abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche, principalement du miel. Les travaux vont permettre de faire l'état des lieux de l'apiculture au Bénin, d'identifier les opportunités existantes relatives à la production apicole en rapport avec le programme d'action du gouvernement, de définir les stratégies à adopter pour l'augmentation quantitative et qualitative de la production apicole, de même que la commercialisation des produits apicoles, aussi bien au plan national qu'à l'international. Les participants ont 48 heures. Le savant qui ne met pas en pratique son savoir est une abeille qui ne donne pas de miel, dit un proverbe persan. En décidant d'organiser un atelier sur la promotion de la filière apicole au Bénin, la Commission permanente agriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin aborde un chantier important des filières agricoles les plus prometteuses, tant du point de vue de la production, de la distribution interne et de l'exportation,
je voudrais nourrir l'espoir qu'à travers les objectifs fixés, votre atelier aiderait aussi à contextualiser ces grandes conclusions et ouvrir d'autres pertinentes pistes de recherche en rapport avec les conditions éco-phyto-sociologiques des régions de notre pays. Il faut souligner que le miel béninois est exportable sur le marché de l'Union européenne, et ceci depuis le 15 février 2018, après une annonce faite par la Commission de l'Union européenne qui place le Bénin sur la liste des pays dont le miel peut être commercialisé en Europe. D'un atelier à un autre, celui-ci s'intéresse aux bénéfices, valeurs et atouts du dialogue social. C'est le Conseil national du dialogue social qui l'a initié depuis ce matin. Sur 3 jours, les participants devront échanger pour trouver les voies et moyens pour faire du dialogue social un outil efficace de coopération entre les partenaires sociaux. On va retrouver Asiongbo Kanye Asiongbo et Harry Gantin pour le reportage. Le Conseil national du dialogue social outille les membres des commissions administratives paritaires du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, puis du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Du 15 au 17 septembre, le CNDS se propose de renforcer leurs capacités. Ceci pour leur permettre de mener un dialogue social constructif et productif. Les objectifs fondamentaux de cet atelier qui nous réunit ici ce jour sont les suivants. Outiller les membres des commissions administratives paritaires, CAP, des deux ministères à s'approprier leurs missions et à exercer au mieux leurs responsabilités. Familiariser les membres des CAP aux techniques de négociation, de prévention et de gestion des conflits. Ce sera aussi l'occasion de donner aux membres des commissions administratives paritaires les moyens d'appréciation du climat social au plan sectoriel. Pour les bénéficiaires de cet atelier, les 3 jours de travaux seront d'une grande utilité. Il nous permettra de nous assurer d'un climat apaisé, privilégiant l'excellence des relations entre administration et partenaires sociaux. J'apprécie cette approche. C'est Madame la ministre qui parle, inclusive, qui ouvre la voie de riches échanges. Il sera question au cours des travaux d'échanges sur les outils de performance d'une structure de dialogue social. Des thématiques d'actualité seront abordées pour mieux participer aux grandes décisions relatives aux politiques publiques. Un nouveau bureau dirige depuis dimanche l'amicale des anciens étudiants béninois d'Algérie. En fait, il n'est pas si nouveau que ça. Il a à sa tête la précédente présidente qui a rempilé. C'est au thème d'une assemblée générale ordinaire qui a connu aussi le point des activités menées au nom de l'association depuis 2 ans qu'elle existe. Et maintenant, voici le reportage d'Ali Momouni et d'Eder Mpévi. Au nombre des projets inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire de l'Amicale des anciens étudiants béninois d'Algérie à Maéba, il y a l'élection du nouveau bureau de l'association. À la suite du vote, c'est Pierrette Azomahou qui rempile au poste de président. Elle est élue à l'unanimité par les membres du Creuset pour un nouveau mandat de 2 ans. Je m'engage devant vous aujourd'hui à faire de mon mieux pendant les 2 années à venir à donner le meilleur de moi-même, surtout avec l'équipe qui m'entoure. Je suis sûre que notre amicale aura plus de visibilité. L'objectif de l'amicale des anciens étudiants béninois d'Algérie est de consolider les relations et la solidarité entre ses membres. Leur leitmotiv, c'est aussi d'accompagner les personnes en situation difficile, notamment les étudiants. Et c'est ce à quoi s'attellera la nouvelle équipe qui vient d'être installée. Pour les 2 prochaines années, mon ambition, c'est de montrer plus la visibilité de notre amicale, de faire plus des œuvres sociales à toucher les plus démunis, les orphelins, parce que notre souhait, par rapport à nos antécédents en Algérie, on a beaucoup souffert. Donc quand on a vu des gens qui sont en souffrance, on aimerait bien les aider, ça fait partie de nos engagements. Donc, je m'engage et pendant ces 2 années à venir de faire de mon mieux avec mon équipe à soutenir les personnes démunies. Le premier mandat a été pour l'ancienne nouvelle présidente et son équipe
l'opportunité de poser les jalons et d'acquérir l'expérience du terrain, laquelle expérience est présentée à l'Assemblée générale à travers différents rapports d'activité. Nous avons eu à faire des rencontres avec des étudiants béninois boursiers en partance pour l'Algérie à la DBSU. Une demande de messe pour le repos de l'âme de notre cher ami Tek Awandjinou a été faite. Et durant la période de coronavirus, où nous avons pu exécuter deux activités, un don financier au gouvernement à hauteur de 300 000, et puis nous avons soutenu un orphelinat du nom de Meniko. Nous avons fait également un don au centre d'accueil Saint-Camille de Tocan. L'Assemblée générale s'est achevée dans une ambiance festive et de convivialité. Par ailleurs, l'Amicale des anciens étudiants béninois d'Algérie invite les bonnes volontés à se manifester afin de contribuer elle aussi à l'épanouissement des personnes vulnérables. Des apprenants du CE1 au CM2 des établissements primaires de l'arrondissement de Sarré dans la commune d'Agba. Ils ont bénéficié de livres, c'est pour améliorer leur niveau scolaire. Le geste vient des membres du Lions Club Pélican d'Abomey. Voici le point avec Imet Hélène Amoso. Des centaines de manuels didactiques offerts aux apprenants des différentes écoles primaires de l'arrondissement de Sarré dans la commune d'Agbanizou. À travers cette action, les clubs Lyon du district 403A4 de la zone 33 apportent ainsi une réponse à une étude diagnostique effectuée dans la localité. Les ouvrages ont été attribués aux meilleurs écoliers, ainsi que les derniers des classes du cours élémentaire première année CE1 au cours moyen deuxième année CM2. Nous avons remis ces livres pour les trois premiers et les deux derniers de chaque classe. En général, pour primer seulement les premiers qui sont récompensés. Mais nous avons pensé aux derniers pour les encourager afin que ces derniers puissent rejoindre le groupe des premiers l'année prochaine et les années à venir. C'est lorsqu'on est à la touche qu'on voit les erreurs des joueurs et de l'entraîneur. Je me suis dit qu'il faut laisser quelque chose à la génération montante pour pouvoir prôner l'excellence. Et c'est en cela que j'ai pensé à ces élèves, surtout aux derniers, parce que l'exclusion ne saurait faire de vrais intellectuels. L'action vise à permettre aux bénéficiaires une meilleure assimilation des cours à la rentrée prochaine. Elle va également contribuer à la promotion de l'excellence dans le milieu, en améliorant le niveau d'études des enfants, fidèles à la devise de leur association. Où ils servent, les clubs donateurs travaillent non seulement à accompagner les parents dans les préparatifs de l'année scolaire qui s'annonce, mais également soulager les peines des populations. Ce qui manque aujourd'hui, et même lorsqu'on a fait revenir la dictée dans les examens, ce qui manque aujourd'hui, c'est que nos enfants ne parlent plus bien français. Cet ouvrage-là, nous l'avons ciblé afin que les enfants puissent vraiment parler français. C'est un club qui constitue la zone 33, dont Abomey le Pélican, Lokosa Ibis, Boycon les Bananiers, Dassa les Collines, se sont réunis pour soutenir les écoles d'Agbanizou, pour récompenser les meilleurs élèves. On a aussi pensé encourager les élèves en difficulté, ceux qui sont les derniers, les encourager avec des ouvrages pour que l'année suivante, ils puissent se retrouver parmi les meilleurs. L'étape de Sarré est la première d'une série de remises de dons programmées par les clubs Lyon du district 403A4 de la zone 33. Les prochaines descentes vont les conduire dans les localités de Boycon, Dassa et Lokosa. Des masques de protection contre le coronavirus pour les populations de la ville de Parakou. MTN Bénin a initié justement cette opération. C'est une campagne de dons de matériel de protection doublée d'une sensibilisation en vue du respect des gestes barrières contre l'expansion du mal. Samedi dernier, l'opération a pris donc toute la journée. Se présente comme la contribution du réseau GSM pour la limitation de la propagation de ce mal au Bénin. Voici le point.
Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin accompagne le gouvernement dans la riposte contre le COVID-19. En témoigne cette descente de ses agents dans les rues de Parakou pour distribuer des bavettes aux populations. Nous sommes là ce matin dans le cadre d'une campagne que MTN a lancée dans les 21 pays où le réseau MTN est présent. La campagne a pour nom « Wear it for me ». En français, ça veut dire « porte-le pour moi ». Porte ton masque pour moi, pour me protéger et pour aussi te protéger toi-même. Pourquoi cette campagne maintenant? Parce qu'après les gros efforts fournis par les autorités sanitaires, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau des gouvernements locaux, nous avons remarqué un relâchement en termes d'observance des gestes barrières. Plusieurs quartiers de Parakou ont reçu la visite des agents de MTN Bénin. Dans le rang des bénéficiaires, l'acte du réseau GSM est apprécié à sa juste valeur. Vraiment, on est tellement content. Puisque le COVID-19, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans d'autres pays, il faut qu'on se protège. Alors, si MTN a pris l'initiative de venir nous voir pour nous aider dans ce sens, on leur dit vraiment merci. Merci et infiniment. Nous devons chaque fois nous protéger et pouvoir protéger toute la population et particulièrement tous nos clients qui viennent nous rencontrer. L'opération vise à sensibiliser les populations sur le port de cache-nez, surtout en cette période de crise sanitaire. Mesdames et messieurs, dans ce 19h30 qui s'achève, nous avons évoqué la tournée politique du bureau national du Parti Force Corée pour un Bénin émergent de la Donga. Une délégation du bureau exécutif est allée justement discuter avec les élus communaux et locaux pour le point de leur participation aux dernières élections au Bénin. Ils étaient très content, vous l'aviez remarqué, ont même souhaité remettre ça pour la présidentielle. Ils l'ont fortement recommandé au bureau exécutif national. Deux ateliers, l'un pour travailler à renforcer le pouvoir du dialogue social et l'autre pour réfléchir à promouvoir la filière apicole. On en a eu les images. Le premier se tient à Cotonou depuis ce matin, le second à Grand Popo depuis hier et réunit acteurs du monde scientifique. Voilà, vous savez tout de l'actualité telle que proposée par la rédaction de Canal 3 Bénin. À ce soir, merci de m'avoir suivi. Vous passez une très belle soirée.